BFM Bash vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres. Bureau commercial, si à la Riviera Palmeraie, route de Bégerville, Carrefour Ferronnerie. Contact 07 07 47 37. SFM Bash, votre événement, notre engagement. Bonjour mon ami, pardon, faut t'abonner, pardon. Si tu te caches trop pour me regarder, faut t'abonner, pardon. S'il te plaît, faut t'abonner, hein. Abonne-toi, active la cloche de notification. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais d'abord faire un gros big up à mon père, mon nouveau papa, depuis les streets. Monsieur Patrice, big up à vous, que Dieu vous bénisse au centuple. Voilà, qu'il vous bénisse infiniment. Et une autre bonne nouvelle aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon pro, chacun a son pro, hein. Voilà, c'est le futur Sergio Ramos du Real Madrid. Il s'appelle Bambino de Bamba. Voilà, c'est mon pro depuis la France. Petite chanson pour toi avant de commencer la vidéo. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Bambino, joyeux anniversaire. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien, c'est votre humble serviteur Héritor. Nouvelle vidéo aujourd'hui, n'oubliez pas, abonnez-vous, voilà, ce sera comme ça que je vais vous dire, mais vous vous cachez tous les jours, vous me regardez, mais vous vous abonnez pas, et ça je n'aime pas. Vous abonnez, vous activez la cloche de notification. Vous rentrez toujours dans mon inbox, vous dites qu'on ne voit plus tes vidéos, on voit plus tes vidéos. Mais c'est pas ceux qui n'activent pas la cloche de notification. Et puis je sais que tu ne prends pas la peine de cliquer sur la notification de l'application YouTube pour voir si j'ai fait une vidéo ou pas. Voilà, active ta cloche de notification, frérot. Voilà. Voilà, aujourd'hui, c'est juste vous dire que le Bordeaux est rentré hier. Il est rentré hier, il est bel et bien à Abidjan. Et puis je pense que. Il a fait une touche Baby Philippe. Je pense qu'il est parti chez Baby Philippe. Il n'est même pas rentré chez lui à la maison. Tellement que vous allez parler, vous avez parlé sur mon artiste. Tellement que vous avez mis votre bouche sur mon artiste, il est traumatisé maintenant. Il passe toutes ses nuits, toutes ses journées au studio de Baby Philippe. Franchement, franchement, si vous n'avez pas payé son album qui arrive, si on n'a pas fait 500 000 vues en un jour, il a fait par là, ben vous, hein, les amis, il a fait par là, ben vous. Hein, la Légion, la Chine, c'est une famille désormais, hein, c'est une famille désormais. Le 29 décembre, on est ensemble. Voilà, donc je juste vous dis que Dibordeaux est rentré sain, sauf hier, il est en pleine forme. Et je suis sûr et certain qu'il a fait un touche Baby Philippe pour peaufiner tout. Comme je vous ai dit, dans peu de temps, c'est dans peu de jours. Voilà, on croise toujours les doigts. On est dans notre gourmet, mais notre gourmet va finir bientôt. Voilà, tu veux haut, tu veux pas haut, tu es fan de Dibordeaux. Et tu seras toujours fan de Dibordeaux. Voilà. Et une autre information. Je ne suis pas content de nous. Moi, j'ai essayé de voter comme je pouvais. Mais malheureusement, Serge Beno et Didier Arafat ont perdu les Afrima à Dallas. Voilà, c'est le groupe Toufan qui a été lauréat. Mais c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Actuellement, comme le showbiz est un peu mélangé, trop de concerts. On est trop gamé sur le concert. Chacun a décodé son argent pour payer son ticket et tout ça. Donc, c'est pas bien grave les artistes. Ne vous inquiétez pas. Sachez simplement que on est pour vous tous, mais chacun a ses préférences. Et j'aimerais de passage m'excuser à tous les fans de la Bénomania qui n'ont pas apprécié ma vidéo. C'était juste mon opinion. Chacun a son opinion. Donc ne me jugez pas. Pensez que je déteste Serge Beno, c'est faux. C'est absolument faux. Vous me dites simplement de faire des vidéos pour Serge Beno aussi. Il n'y a pas de problème. Je ferai des vidéos pour Serge Beno. Voilà, c'est parce qu'il était en grève avec mon artiste que bon, je le négligeais. Sinon, je sais ce qu'il fait de bien aussi. Voilà. Donc j'invite encore toute la Chine et toute la Légion à se déplacer du côté de l'Élysée, mon pâte. Voilà, au concert de Serge Beno. Partez le grand, c'est 1300 places. C'est quand même pas petit. Hein? Remplissez ça. Il faut que d'autres même s'asseyent sur le sol ou bien s'arrête. Voilà, je compte vraiment sur vous. Je compte vraiment sur vous, les amis. Hein? Donc, je juste vous dis que Dibordeaux est là. Dibordeaux est vraiment là. Et dans peu de temps, les amis. On dit toujours, il dit dans peu de temps, mais ça ne sort pas. Je vous dis, c'est facile, c'est dans peu de temps. Et vous allez danser juste quand vous allez parcourir. Vous allez dire, Dibordeaux, c'est comme ça que tu es fort et puis tu perds du temps. C'est comme ça que tu es fort et puis tu perds du temps. Les sons qui arrivent là. Voilà. Si Dibordeaux vous a laissé reposer. Vous n'allez pas croire. Les gens disent que lui, c'est son fait 2 semaines. Ah, les gens sont pas bien. Hein. C'est le seul artiste qui fait un son. Ça court sur 2 ans, 3 ans. Voilà. Donc arrêtez un peu ça. Arrêtez un peu ça. Et puis ce soir, je vais faire une vidéo pour expliquer pourquoi Didier Arafat et Dibordeaux peuvent faire un concert rien qu'avec les featuring et les atalakous qu'ils ont fait ensemble. Et puis tout le monde sera content. Voilà. Ils n'ont pas que 2 sons. Merci. Et à ce soir à 18h.